un autre chioma et maman et les larmes de ça hum. en tout cas dans cette vidéo nous allons parler de quatre personnes nous allons parler de chioma la fiancée de davido tu what Sofia sophia Muhammadou, qui était euh, l'ex de Davido et Regina Daniel oui Restez juste là. Allô la famille, salut à tous et bienvenue encore C'est Jésus News une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah, oui, oui, Jésus est de retour, a.k.a. Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah hein, oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça déposez vos valises, vos bagages, vos gars à Moscow et vous êtes la bienvenue dans la famille. Ah hein, oui, oui, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi avec le nom qui s'affiche sur l'écran définis ADMG. Oui, pour beaucoup de Congo, ça, questions et tout. Bon, nous allons commencer avec notre petit Congo, ça du jour. Nous allons commencer avec ce que euh, Tchoma a écrit sur son statut. Ça fait quelques jours. Et ça fait parler les gens que la manière que Tchoma sort avec euh, les Wayfors comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-elle en bonne santé ou quoi? Elle dit ceci. Vous pouvez traduire là-bas. Elle dit, présentement, je suis à un lieu de guérison. Où je pleure quand j'ai besoin. Où je prie. Où je parle selon mes problèmes de vie <laughs> en ce moment. Et elle continue en disant, hum, je laisse le temps faire ce qu'il a à faire. Wow. Continue en disant, n'ayez jamais peur d'avoir laissé votre corps avoir une douleur. Ah, 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 ah. La partie, s'il l'a vraiment. Hum, tu as Continue, c'est une partie de vie. <laughs> E, sa te fè grandi an plus riel dan la douleur, se <laughs> kèl a ekri, le jan pal ke pètèt el anko le pebe avèk Davido, se lò se kèl le jan diz ke tchèman ne pè pa resè kom sa, un jounè pan son telefon, el ekri le chòs kom sa, el e ou ? Des raisons de quoi? Il y a quoi? En tout cas, maman, c'est eux qui savent. Nous allons continuer avec euh, Sophia Mohamedou, euh, qui est euh, la mère, le bébé mama de Davido et la première baby mama en plus. Elle est sortie avec sa part de photo. Vous savez, c'est la copine de Tiwa Savage. Ils marchent toujours ensemble et ils font toujours des choses ensemble. Donc, et euh, Ça fait déjà quelques jours, elle est sortie avec quatre photos. Euh, je ne sais pas si je vais mettre ici la photo que vous avez vue sur euh, la photo de profil de cette vidéo. Je ne pourrai pas mettre cette photo ici parce que vraiment la récolte à sa montre et hey, je vais pas moi avoir les péballes YouTube. Elle est sortie, elle a mis quatre photos et ça montrait les haricots et tout et tout et tout. Mais pour moi, je ne vois pas trop ça comme si c'est un peu extraordinaire, la euh, façon dont les gens parlent. Wow, c'est, Davidot t'a laissé, tu es là pour montrer les cacs au Dior. tu penses que qui va venir prendre les restes, et tu suis les pas de Tiwa qui a déjà 40 ans. Maman, Tiwa aussi sorti avec sa part de, des photos, ça n'a même pas fait deux jours aussi. Tiwa est sortie avec sa part quand elle a relâché sa nouvelle musique qu'elle a fait avec euh, cet euh, Insta de Bibi là. C'est comme ça, alors Tiwa est sortie aussi avec sa page de photos, elle a mis sur les médias, hey, si vous partez sur la page de Tiwa, Tiwa vous-même vous allez voir que pour Tiwa, là, c'est la bouche à fermer. Bon moi je ne me mêle pas de leurs photos parce que je sais que ce sont les stars et vraiment ils font de, de leur vie ce qu'ils veulent quoi. Je suis juste ici pour passer mes news selon ce que les gens disent que celle-ci elle essaie de, de, de faire ce que tu as fait pourtant tu a déjà 40 ans et elle, elle est encore jeune mais moi je ne vois pas l'engagement le legs de David aussi très jeune parce que euh, je me dis que ceci euh, elle a déjà elle a de, elle a déjà dans les trentaines pardon et aussi euh, tu vois elle sort avec les photos maman. les gens disent eh, 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 eh. bon il y a un commentaire un top commentaire que j'ai pris là bas pour euh, pour qu'on cause ça et vraiment les gens ont beaucoup parlé cette euh, personne a dit hum, 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 maman ah, 40 ans, maman. tu sors avec ce genre de photos, maman. Ah, tu vois, est-ce que c'est la déprime qui te fait? Maman, ne pas filer le mot. Quel genre de message tu es en train de passer à tes enfants? Quel genre de message moral? Ah, 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 que maman, ton enfant est eh, peut-être un Star Boy et toi tu es là-bas ou bien tu veux par là passer le message à Whisky qui t'a maman continue et... en disant laisse les photos comme ça pour les jeunes filles c'est pas fait pour les gens de ton âge et ça continue en disant maman, tu dois t'occuper de ton enfant occupe toi bien de ton enfant et laisse tout ce que tu fais là c'est pour les gens qui sont encore jeunes, maman. Parfois, tu oublies que tu es une maman. C'est ce que le gars a écrit. Et plusieurs personnes ont euh, parlé concernant les photos que tu as mis sur sa page. Vous pouvez aller là-bas voir plusieurs photos. Pour elle-même, elle a montré le même comme c'est noir sur blanc. Euh, les bottons montraient tout, tout, tout. Ça montrait tout là, mais seulement que la photo était noir sur blanc. Bon, pour moi, je vous assure, moi, Josie News, moi, j'ai toujours dit que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et il y a certaines personnes alors qui sont sorties. Tu dis, ah, l'hypocrite, de ça. Que parce que c'est Tiwa qui s'est filmé comme ça avant que vous parlez, que les Beyoncé, les Nicki Minaj, les Kadhibi, que quand ils font ça, pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi c'est quand les Africains font ça que vous parlez? Que ça, c'est l'hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, la famille Josie News? Hey, Miss Congo est toujours là. Et aussi, euh, Tata Regina est sortie avec sa part de vidéo. <laughs> Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle n'a pas mis ça sur sa page. Je vais mettre ça ici à côté pour vous de voir un peu. Elle est sortie, alors c'est comme si elle allait dans un lieu de massage. Et vous connaissez, non? Elle a fait comme les stars font aussi. <laughs> Maman, on nous dit que son gars est tellement, tellement fâché avec cette vidéo qu'elle a fait. Et certaines personnes disent même que, euh, parce qu'elle a vu que peut-être son nom n'est plus au top 1 euh, sur les médias. Et elle a voulu faire ça pour qu'on parle d'elle. Et moi, je vois que même à travers les vidéos qu'elle fait comme ça, elle montre le elle montre cela. Son mari ne peut pas tellement se fâcher parce que, au début, euh, il avait dit, euh, il la laisse faire tout ce qu'elle veut puisqu'elle est encore jeune, elle doit jouer sa vie, elle doit euh, avancer avec sa vie, quoi. Donc c'est lui-même qui avait dit que Régine peut faire n'importe quoi qu'elle veut. Mais sauf que hum, un autre plantain ne peut pas manger la de... Régine a c'est comme cela. Et les gens alors parlent. Vous savez, il y a toujours les Mich Congo. Les gens ne font que parler. Wow, wow, wow. Et Régina a laissé tout oh, sur les médias. Oh. Régina a tout montré. Oh. Une femme mariée. Comment est-ce qu'elle met la serviette? Elle fait, mais moi, je ne vois rien. Absolument rien. De peut-être euh, extra. Parce qu'elle a une serviette et puis elle fait les choses de, 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 de. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, laissez-moi vos commentaires selon les quatre personnes. Si oui, parce que je les ai mis ensemble, puisque c'est les mêmes choses qu'ils ont fait euh, durant la semaine. Quoi. Donc, laissez-moi vos commentaires et ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez pour que notre communauté puisse bien s'agrandir. Et à nous revoir à la prochaine.